match? Oui, complètement. Oui, du match. Bon. Oui, du match. Oui, bon, j'ai dit que ça a été un match très compliqué contre une très bonne équipe de Sandhouse. Le destin a été entre nos mains. On ne voulait pas attendre le résultat de TP contre le Hillel. Les joueurs, ils étaient héroïques. On a été bien en place. On a bien étudié cette très bonne équipe de Sandhouse. Et on a encore une fois démontré que la défaite du match aller, ça a été un accident de parcours. Voilà. On est très heureux de passer au quart de finale. Okay. Coach, please. Sincèrement, le grand mérite revient aux joueurs. Ils voulaient cette victoire, ils voulaient cette qualification historique. Elle est bien pour le club, pour les joueurs. C'est une très bonne expérience. Je sais qu'on n'était pas les favoris dans le groupe, mais depuis le match de TP Mazembe, le destin a été entre nos mains. Et, on voulait tout faire pour se qualifier, pour satisfaire nos supporters qui attendent cette qualification. Changement ? Oui, on attendait parce qu'ils ont déjà joué un match le mardi, on savait. Mais on sait que l'équipe de Sandhouse, elle a les moyens, elle a l'effectif pour... je sais qu'elle a un effectif riche. Et on a vu les joueurs, presque c'est la deuxième équipe qui a joué au Soudan. On savait, mais on avait peur de cette équipe parce que c'est des joueurs qui veulent prouver aussi qu'ils ont leur place l'équipe première. Et nous, on savait que ça va être compliqué contre une bonne équipe qui est très joueuse, qui aime garder le ballon. On a très, très bien étudié son jeu et on a réussi à faire le match qu'il faut.